petit-bébé dans sa colle de leur mort. La cervelle de vos morts. Le sang de vos morts, vous allez manger. Le caca de vos morts. Le sang de vos morts. Nache avant, mes morts, nache avant. Cours, Rachel, cours. L'équipe de la 500e qui débarque avant le 19. Ah, le seigneur. Je vois quand ça s'est semblé. Un peu sprintant, ma cousine. C'est pas que tu auras avant les serviettes. Ah, avant le 19, mes morts. Voilà, je viens d'acheter une Suzuki. On te paye sur tes morts. Attention, durant les deux prochaines heures, certaines paroles peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Deux prochaines heures, certaines paroles peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Là je viens de terminer de lester le corps, tu vois. C'est-à-dire lester le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu vas savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois. Et alors il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule. Hein. Donc tu le lestes avec des cailloux, des choses un peu lourdes. Hein. Tu vois, il y a un barème quand tu lestes un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son poids. Normalement, un homme moyen comme cette victime-ci, c'est trois fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein. Tu vois, pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant, hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Comment ? T'as jamais eu de problème ? Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux déjà, hein.